On a quand même des gens qui, en se levant le matin, se disent « Aujourd'hui, je vais aligner des centaines de milliers de blocs sur Minecraft dans le but de battre un record du monde. » Ah ouais. Non, parce que je me demandais, on est à quel niveau d'ennui là sur l'échelle de je me fais chier sur 20. Écoutez-moi bien, parce que je m'engagerai qu'une seule fois, les mecs. Si cette vidéo dépasse les 10 000 likes, je m'engage devant la France entière à battre un record du monde sur Minecraft. Nous avons par ici un exemple. Le 15 décembre 2017, à Indianapolis, en Indiana, Jack Briard a battu le record du monde d'alignement de redstone sur Minecraft. 26 505 blocs. Ouais, rien que ça, les mecs. Ça lui aura pris tout de même près de 2 heures pour réaliser cette prouesse technique. Jack Boyard, bravo à toi. Ah! Oh! Oui? C'est pas vrai. On me dit à l'instant dans l'oreillette que le record du monde a été battu par un Français. Kirbyluv, les mecs. Ça marche, je fais circuler la nouvelle. Et oui, le record du monde a été battu par Kirbyluv, un Français qui a tout simplement explosé le record de Jack Briard avec une lignée de 77 777 blocs de redstone posés. Et il vient donc d'exploser la note de « Je m'emmerde sur 20 » de Jack Briard. Il l'a complètement éclaté. Une prouesse technique qui lui aura pris tout de même 6h, 33 minutes et 36 secondes. J'ai posé 77 000 blocs de redstone dans la vraie vie, les gars. Dans la vraie vie, j'en ai posé 77 000 là. Je ne peux évidemment pas repartir sans lui laisser un like et saluer la prestation du bonhomme. Je vais même lui laisser un commentaire. Bravo, c'est quel niveau de chômage? Je déconne, je mets pas de commentaire. Non, je déconne. Kirbyluv, si tu vois cette vidéo, t'inquiète. Oh oui, puis c'est culotté hein, de la part d'un mec qui a fait 1367 vidéos sur Scrap Mécanique. Non, Kirbyluv! Vraiment, on salue la prestation. Vraiment, félicite. Oui? C'est pas vrai? Bah, vous déconnez, arrêtez. Non? On me dit à l'instant dans l'oreillette que le record de Kirbyluv a été battu. En Australie, à Brisbane, Ben Raymond a battu le record du monde de Kirbyluv avec un nombre totalisé de 100 000 blocs de redstone alignés le 2 décembre 2021. Et ce qui se passe depuis quelques mois, eh bien, ma rage, enfin, je sais pas, mon mental a décuplé. Alors là, les mecs, je suis sur le cul, je suis sidéré. Ah, oui? Ok, on me dit à l'instant que Kirbyluv vient de mettre fin à ses jours en apprenant la nouvelle. Triste jour pour le monde du jeu vidéo. C'est évidemment une petite blagounette. Kirbyluv, déjà 77 000. Eh les mecs, à 10 000 likes, je bats son record du monde. J'en pose 100 000. Hein, ça se passera en live. Ça va très certainement nous prendre des heures, mon gars. Déjà, Kirbyluv, il a passé 6h30 pour en poser 77 000. Et le prochain record du monde est détenu par Rayo. Et c'est le speedrun le plus court de l'histoire sur Minecraft. Puisqu'il a le record avec un temps de 1 minute 52 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est 1 minute 52 secconds du début du jeu jusqu'à aller tuer l'Under Dragon. Moi, 1 minute 52 secondes, je suis encore en slip pour voir où est-ce que je vais poser ma base. Lui, il est déjà descendu en slip dans la cave. Il a tatané l'Under Dragon, les mecs. Essaye, je t'en mets une. Essaye. Il faut lui montrer qu'on est quand même dominateur du territoire. Et on nous dit dans le temps qu'il vous faudra pour réchauffer votre burrito du petit déjeuner, Rayo sera déjà entré dans l'End et aura tué l'Under Dragon avec une sélection de lits explosifs de qualité. On ne peut que saluer la prestation. Rayo, bravo à toi. Et cette fois-ci, on a Russell Berry qui habite à Waco, au Texas, le 3 décembre 2017, qui s'est levé un matin et qui s'est dit « Tiens, je vais battre le record du monde de distance parcourue sur Minecraft à dos de cochon. » Et ce ne sera pas moins de 21 461 km parcourus sur le dos de ce pauvre porc. Russell, on va saluer ta prestation. Vraiment, bravo à toi et... Je n'ai pas les mots. Pas plus impressionnant que celui qui a posé 100 000 blocs de redstone, mais on est déjà pas mal. Et c'est donc un matin du 8 novembre 2017 que Stéphane Z s'est réveillé en sursaut, habitant à Auckland en Nouvelle-Zélande, pour aller fabriquer pas moins de 1 532 924 planches de bois. Voilà! Salut, bienvenue dans Si tu te fais chier, alors regarde ça. Oh! Attendez, on me dit juste hier, je ne suis pas sûr si je l'ai uploadé correctement. J'ai tout le temps eu une erreur lorsque je l'ai soumis, mais j'ai dépassé plus de 10 millions de planches. De Hayden Meyer, c'est pas vrai. Et effectivement, Hayden a explosé, a même pulvérisé le record du monde de planches fabriquées sur Minecraft, puisqu'il en a fabriqué pas moins de 10 389 432. Hayden? Bravo à toi, je n'ai pas les mots. Et moi, je trouve que cette discipline n'est pas assez reconnue, les mecs. Alors, on a un Guinness de record, hein. À l'intérieur, on a le record du monde de 110 mètres haies, on a le record du monde de lancer de javelot, le record du monde de saut à la perche. Et pourquoi on mettrait pas le record du monde de fabrication de planches de Hayden dans Minecraft? Avec pas moins de 10 389 432, je le rappelle. C'est quelque chose, les mecs. Je veux dire, il doit avoir une
tendinite à cette heure. Je t'explique même pas, à moins qu'il avait un autocliqueur. Est-ce que t'avais un autocliqueur? Tricheur. Ouais, c'est possible. Alors attention, tenez-vous bien les mecs. J'espère que vous êtes assis parce que vous n'êtes pas prêts pour le prochain. Même moi, j'étais pas prêt. Je vous présente ici le record du monde du plus long chemin de fer jamais réalisé dans Minecraft avec pas moins de 1 414 213 rails. Ça fait beaucoup là, non? Et c'est donc le 30 décembre 2015 que Actium Predator se leva en sursaut un matin et se dit, tiens, je vais construire le plus long chemin de fer dans Minecraft. Petite journée à tuer, une petite journée, une petite ou un petit mois à tuer, je ne sais pas. Peut-être une petite année, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. Hein. Record du monde du plus long chemin de fer dans Minecraft. Énorme. La vidéo dure 50 minutes, les mecs. Hein. On peut la regarder en entière. C'est ça pendant 50 minutes. Hein. Et voyez que c'est en avance rapide. Hein. Heureusement qu'il nous la met pas à vitesse réelle. Hein. Et attention, cette fois-ci, on a un nouveau record du monde. Je tenais absolument à le mettre dans la liste, celui-ci, parce que c'est un Français. Honneur à la France. On a Soul Sama de Champagné en Franche-Comté, le 10 décembre 2016, qui a réussi à faire spawner 25 poules avec 80 œufs. Vraiment, GG à toi. Voilà, c'est un record du monde, les mecs, hein, voilà, comme un autre. Il n'y a pas de sous-record, hein, 25 poules avec 80 œufs. Qui dit mieux? Oh, mais attendez, breaking news de dernière minute, on me dit que le record du monde a été battu par Mobo, qui a eu 28 poulets, et c'est toujours en attente pour une raison quelconque. Et effectivement, tentative de record du monde en attente. Par contre, si on se rend sur sa page, on voit bien qu'il a battu le record du monde avec 28 poulets. Et je ne sais pas pourquoi je me tiens toujours l'oreillette. Voilà, ça y est, on a eu la breaking news. La news est tombée, les mecs. Soul Sama, quel dommage. Tente 29 poulets avec 80 œufs. Ça peut passer, on sait jamais. Et forcément, cette nouvelle, ça a irrité Soul Sama. Il en a pas dormi pendant des mois, le mec. Il était ouf, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il a dit, attends, bouge pas, tu veux pulvériser mon record? Pas de souci. Il a pris ses couilles, il les a posées sur la table. Il a dit, maintenant, regarde, moi, j'ai utilisé 1 913 671 œufs de ponte dans Minecraft. Alors là, c'est au pluriel. C'est même un gros pluriel. Du coup, c'est pas œuf de ponte, c'est œuf de ponte. Il a dit maintenant, vas-y, Mobo. Viens, je t'attends, mon gars. Mobo, il a fait comme ça, mon gars. Il s'est incliné. Il a dit, ok, d'accord. 1 913 671. N'empêche que j'espère que t'avais pas qu'une poule parce qu'elle doit avoir le trou du cul éclaté en chou-fleur, mon gars. Je t'explique même pas. Je suis un peu trash. Pour pondre 1 913 000. Oh la vache. Elle doit être dilatée, mon gars, mais... Bon, ça a dû mitrailler. Hein. En tout cas, Soul Sama. Eh, hey, GG à toi. Ça, c'est du record du monde. Allez, qui veut faire mieux, là? Qui? Personne, je crois pas. Personne veut se faire chier à ce point. Ah, putain. J'en ai mal au ventre, mon vieux. Ah, mais on est arrivé à un niveau d'ennui, les mecs. Mais n'hésitez pas à me noter ça sur l'échelle de j'ai rien d'autre à foutre de ma journée sur 20, mais énorme. Et on a Blue Lade, qui cette fois-ci habite à Louisville, dans le Mississippi, qui a fait spawner, tenez-vous bien, pas moins de 4331 sorcières sur Minecraft. Ah ouais, mon gars. Le record du monde a été établi le 17 avril 2016. C'est le bordel. Et alors là, attention les mecs, pour le prochain record, on a quelque chose d'ultra stylé. Personnellement, je trouve, on a la plus grande maison de verre jamais construite dans Minecraft. Et oui, puisque le record a été établi par Andrew Hurdle, qui habite à Jackson, dans le Tennessee, aux États-Unis. Et il a utilisé pas moins de 47 610 blocs de verre dans Minecraft. Le record a été établi le 2 mars 2017 et on a Boîte Gary qui a commenté, c'est difficile d'imaginer combien de temps tu as perdu là-dessus. Je sais pas non plus, je pourrais pas vous dire, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il a perdu beaucoup de temps. Combien de temps exactement? Je sais pas. Je vais donc vous présenter le dernier record de cette vidéo et je pense qu'il pour moi c'est le meilleur, c'est vraiment la plus grande prouesse technique. Et là tenez-vous bien les mecs puisque c'est un Français qui détient ce record. C'est le record du monde de série Minecraft démarrée sur une chaîne YouTube et jamais terminée. Et devinez qui détient le record? C'est Bibi, mon gars! Qu'il y en a un qui vient de me le détrôner, celui-là. Il a du boulot, les mecs. D'ailleurs, je vous annonce, petite série bientôt sur Minecraft et peut-être une petite survie qui se prépare. On sait pas. Pour l'instant, j'en dis pas plus. C'est un petit serveur. Ça pourrait être énorme. Dites-moi si vous êtes chaud dans les commentaires pour qu'on ouvre un serveur Minecraft tous ensemble. Ce sera simplement le 10e qu'on ouvre. Bon, et bien, écoutez, les gars, les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas qu'à 10 000 likes, les mecs, je bats le record de lignes de redstone alignées dans Minecraft. Ça se fera sur Twitch. La balle est dans votre camp si on atteint les 10 000 likes sur la vidéo. N'oubliez pas de me soutenir également si vous voulez vos jeux vidéo moins chers. Ça se passe sur le petit lien G2A dans la description avec le code Jolat. Et puis nous, on se dit rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao! I found my way.
was in the